pense que le corps et l'esprit n'étaient pas alignés. C'était une demi très relevée. Et il y a un moment où je me sentais un peu en sous-régime. J'ai rajouté une foulée entre la 7 et la 8 et je suis complètement sorti de mon schéma de course. Et je finis la course parce que je porte le maillot de l'équipe de France et je le respecterai jusqu'au bout. Donc je m'arrache jusqu'au bout, mais c'était une fin de course très très difficile. Ouais. Et là où je suis fier de moi et forcément un peu déçu, bah c'est que jusqu'à la 9, je les tiens. Je sais que je suis avec eux. Je sais que je lâche pas le dernier intervalle. Donc je vais en remettre. Ça me fait un peu sortir donc, de ma course et je saute la haie au lieu de la franchir. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment frustrant, qui est vraiment dommage parce que je sais que cette finale mondiale, donc elle était largement à ma portée. Mais ce n'est que partie remise et je reste positif quand même. Et ça va bien le faire.